toi! Seigneur, t'es content de voir l'oncle Georges, hein? Moi aussi, j'aurais changé le double. mais là, je te comprends d'être content, je me mets à ta place, là. C'est parce qu'oncle Georges est rendu une vedette maintenant, hein? Ah oui? Non, mais il y a plein de petits amis qui me reconnaissent sur la rue, avec mon costume, disons, mais quand même. Et là, il y en a qui me demandent des autographes, il y en a d'autres qui me crient des noms. Mais ça, il y en a toujours des jaloux. Hein? Entre le genre, ça, il s'en occupe pas. Il appelle la police, puis ça finit là, tiens. Mais là, t'es chanceux, tu peux écouter Samedi Dre, hein? Mais tantôt, il faut aller faire dodo. Faut dormir si tu veux devenir grand et fort comme Edith Butler, hein? Pas si t'as remarqué, mais elle tient sa guitare juste d'une main, elle, hein? Mais avant ça, faut faire sa toilette, hein? Alors, on saute dans le bain, puis on frotte partout avec la laine d'acier. Les oreilles, le nez, un peu partout. Et peut-être se laver la tête aussi. Hein? Tu sais, comme quand tu te laves la tête, là, ça fait un cerne autour du bain. Là. Faut la laver plus souvent. Hein? Pour pas avoir les cheveux trop gras. Tu trouveras pas ça drôle plus tard de te faire appeler la patate frite. Hein? Tu pourras pas porter une tuque toute ta vie, tu sais. Bon, ensuite, quand c'est fini, on sort du bain. Là, si maman ou papa sont pas là pour t'essuyer, ben sèche. Non. Et là, on se met un beau pyjama propre après ça. Là aussi, ça arrive qu'il y a des petits amis qui se mouillent tellement la nuit là, que maman est obligée de passer la mop le matin. Alors, dans ce temps-là, on se met une belle couche super absorbante junior. Bon, comme ça, demain matin, là, tu te retrouveras pas avec le... avec la chose toute irritée. Bon. Et avec ceci, elle va tenir bien en place. Ça va pincer un petit peu, mais ça s'enlève bien qu'une petite paire de pinces. Ça va très, très bien. Bon. Bon, ensuite, on lit une histoire. Que comme, je sais pas moi, l'histoire du petit schtroumpf qui était aux deux. Mais en tout cas, c'est à ton goût, ça. Ensuite, on ferme la lumière, on ferme nos petits yeux, puis on arrête de brailler. Si t'as de la misère à dormir, va prendre deux, trois petites pilules bleues à maman dans la pharmacie. Croque-les pas, par exemple. Bon, là, on est samedi. Bon, tu vas voir, mardi, mais que tu te réveilles, tu vas être en pleine forme. J'oubliais une autre chose, là. Oublie pas de ranger tous tes jouets dans ta chambre, hein? Pour pas que papa s'en fâche, mais qu'il aille vider ton cochon.